c'est Face à la bande, un jeu qui pendant 12 ans a fait cogiter des millions de téléspectateurs, Pyramide. Nous sommes allés sur le plateau 210 de la Plaine Saint-Denis, là où est enregistrée la nouvelle version de Pyramide. La production doit tenir la cadence, 8 numéros sont tournés ce jour-là. L'émission doit être à l'antenne dès Noël. Aux manettes, l'animateur Olivier Mine. Il doit adapter pour la case de 18h un format autrefois diffusé à midi. Le public est très versatile à ce moment-là. Je dirais même plus que versatile, il est volatile. Donc c'est vrai que c'est une télévision à ce moment-là de la journée qu'on écoute parfois plus qu'on ne la regarde. Donc c'est souvent ça le problème et la quadrature du cercle pour les diffuseurs. Mouton, berger, bien, bravo. Ouais. Ça traîne pas, à mon avis, en classe, ça devait filer. Ouais. Ça y allait. Voilà ce que découvriront dans quelques jours les téléspectateurs. Aux côtés d'Olivier Mine, des visages connus des après-midi de France 2 et de France 3, Bruno Guillon, Damien Thévenot ou Élodie Gossuin. Avec ce casting, la chaîne mise sur la bonne humeur et sur une version plus festive que l'émission présentée à l'époque par Patrice Lafont. Quel que soit son succès, Pyramide sera de toute façon remplacé fin janvier par Joker, un nouveau jeu animé encore par Olivier.